Salut tout le monde, ici Sonic Sonnenpower, plus connu sous le nom de Sonix. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 du Let's Try de Burnout Paradise, dans lequel nous allons sans aucun doute débloquer le permis A. Et ce sera malheureusement le dernier épisode que je tournerai aujourd'hui parce que mon disque dur est plein. Et on se retrouve avec la version améliorée de la P12. Pas mal, on va voir ce que ça donne. Elle me plaît comme ça. Comme ça aussi. On va voir la finition 2. Oh, ce que ça donne à créer avec le feu. Ouh, attractive. Et celle-là? Ah bah là, voilà la finition feu. Non, non, c'est pas la finition feu, je dirais. Si. Complètement. Fire Sonics. Ouais. Sonics Fire Mode Engage. C'est parti. Et justement, il y a une petite course qui nous tend les bras, si c'est pas merveilleux. Et en plus, c'est une voiture de cascade, donc je recharge mon boost ultra rapidement. Va au nord-ouest jusqu'à White Mountain Wine Farm. Roger, roger. Purée, c'est tout prêt. Est-ce qu'ils vont les autres? Tiens, il y a Christine. Et hop là. Putain, je l'aimais. Là. Parfait. Et elle dérape bien en plus. Attends, je me suis fait toucher par quoi là? Attends, par quoi est-ce que je me suis fait défoncer là? Oh non, je sens que ça va me faire passer en dessous. Non, heureusement. Je me faisais du souci pour rien. Parfait! Ah! Avec les félicitations, comment ça j'ai le permis A? Oh yeah, je croyais qu'il me restait une victoire, j'ai dû en prendre une aussi, yes! Je suis désormais un pilote de catégorie A. Mais pour faire partie de l'élite, tu dois démontrer ta domination totale des routes. As-tu le niveau nécessaire pour décrocher le permis de conduire Burnout? Faites l'amélioration de ton permis avec une nouvelle voiture. La Rossolini Tempesta a été livrée à la casse. Génial! Une Tempesta, rien que ça! Oh, et je suis justement dans un endroit où je peux faire des cascades, donc on va enchaîner avec un défi cascade. Bah alors, pourquoi il veut pas? Ok, il veut pas. Tant pis, bah on va faire une autre course. Putain, je suis chaud. Je suis en Fire Sonic et je suis chaud. Je suis con, moi, quand je suis... Jeu de mots complètement foireux, je m'excuse. Ah bah voilà! En un contre un, va au nord jusqu'à Crystal Summit Observatory. Ah merde, ça j'aime pas ce genre de truc. Parce que le mec a la même voiture que moi. Ça se trouve, il conduit encore mieux. Attends. Je fais passer le temps de que ça arrête. Parce que je sais comment gagner. C'est prendre le passage secret. Que lui ne connaît sans doute pas. Par contre, pour tourner, c'est de la merde en boîte. En
1 contre 1. Va au nord jusqu'à Crystal Summit Observatory. Et voilà, j'ai déjà passé devant. Nom de Dieu, j'ai failli me faire niquer. Et je dois me faire niquer. Dès l'instant où j'aurai. Oula. Il est sur mes talons, il est sur mes talons, l'enfoiré. Nom de Dieu. Mais putain, t'es sérieux? Juste devant le truc. Oh ouais, cool. Cool, 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 cool. Cet abruti a dû se glander lui aussi. Enfin non, je suis con puisque l'ordinateur ne sait pas se viander. Il ne connaît pas la méthode. Ça mérite une capture d'écran. Cool. 39 victoires. Get la Carson Inferno Van tout en roulant en Freeburn dans Paradise City. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. Ah, une de mes favorites. Alors attendez, encore une fois, je vais faire une ellipse parce que j'ai encore perdu le fil de savoir à quelle heure on joue. Oh, je l'ai renversé. Savoir depuis combien de temps je joue. Je regarde, il y a personne derrière, tant pis. On se retrouve un peu plus tard pour la chasse à la camionnette. Ciao! Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de cet épisode 14. Et j'ai compté, il me reste encore un bon quart d'heure devant moi avant de devoir plier, ce qui est génial. Et on se retrouve avec la Tempesta que je viens juste de réparer. Très forte pour faire des dérapages, par contre je ne la trouve pas très rapide. Enfin, pas plus rapide que sa que celle qui l'a précédée. Ouais, ok. Tempesta. Alors attendez, je n'ai pas vu ce que c'était la description. La Rossolini Tempesta est si belle que tout le monde en veut une. Alors oublie sa puissance explosive et son répondant drifteuse, car gagner, ce n'est pas tout. Ce qui est l'essentiel, c'est d'avoir la classe et de gagner. Complètement d'accord. Ok, plus de boost, plus de boost. J'ai rien dit. Elle est meilleure. Voyons voir. Finition 1. Alors, la finition 1, c'était avec le toit gris. Ça va être toi de quelle couleur ? Blanc, ok, ça va faire genre un mirage quoi. Et la finition 3, un toit jaune, un toit mais avec des bandes jaunes. Bien entendu, le métal. Voilà, c'est genre Sonics, Armored Sonics en mode armé. Et on va directement aller faire sa... Non, on ne fera pas de Road Rage. On est directement aller voir sa version améliorée. Tiens, Midi 12. Faut aller par là. Hop là. YOLO. Voyons voir ce que t'as dans le ventre. Oh wow, esquive fois 6, purée. Ce qu'elle en a dans le band. Band, qu'est-ce que je raconte? Non, je ne vous voyais pas. Et voilà, ça y est, je suis niqué, voilà. Et tout le monde va dire, Sonic, c'est un obsédé, il a dit... Et non, 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 j'ai juste dit ça par erreur. Bande de petits obsédés.
faire. Je lui ai déjà défoncé le cul. Ok, le truc est par là, le truc est par là. Comme toutes les voitures de course, elle est extrêmement fragile. Regardez avec quelle facilité j'ai perdu mon pare-choc et avec quelle facilité, surtout, je me suis lamentablement crashé. Alors, où est-ce qu'on le... Où est-ce que c'est le parcours pour améliorer la pâte? Ah ok, d'accord, il y a le il y a le petit salopard qui est juste derrière moi. D'accord, je l'avais pas vu, lui. Okay, j'ai compris que je m'étais crashé. Ah ok, d'accord, je peux recommencer. Ok, il est juste devant moi. Tu vas me payer ce coup en traître. Je l'avais oublié, celui-là. Voilà. La carte est disponible à la casse. L'équipe Tourisque, agence Tourisque. Lol. Eh bien, je pense qu'on va terminer cet épisode sur l'amélioration de cette voiture-là et de l'autre. Bon, alors, c'est où? Mais c'est pas vrai, ça. Je touche à peine le bus et je me fracasse la gueule. Alors, c'est où, s'il vous plaît? Ok, je situe. C'est parti. Jusqu'à South Bay Naval Yard, leur tourne. Avec les... voilà, voilà, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Ok, c'est parti. De Dieu, on se rend compte, en fait on se rend vraiment compte de la vitesse de ces engins quand on est dans des tunnels. Bien entendu, le bus qui sort de nulle part pour m'empêcher de passer. Vous l'avez vu, il est sorti de nulle part. Sorti de nulle part, juste à temps pour me faire perdre les précieuses secondes qui vont m'empêcher de remporter la victoire. Quel enfoiré ce bus. Oula, j'ai une chance de l'emporter, faut pas que je la gâche. Purée, j'ai réussi. C'était limite. Waouh. C'est very just. Tu mérites une Rossolini Tempesta GT pour cette victoire. Tu enchaînes les résultats. Bravo. Nom de Dieu, elle est encore plus stylée. Parfait. On se retrouve à la forge. Pour voir les deux nouvelles bagnoles qu'on a débloquées. Peu importe la durée de l'épisode, je ne l'arrêterai que lorsqu'on aura la version améliorée de l'autre voiture. C'est-à-dire la camionnette. Je crois même me souvenir de sa description. Et inutile de vous spoiler, j'espère que c'est toujours la même. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, et hop, on rentre à la vitesse de la lumière. New right here. Strike. Ça marque strike sur le panneau. La Rossolini Tempesta GT est un vrai bijou. Plus légère et plus rapide, cette version de course totalement GT a été améliorée dans tous les domaines. Sauras-tu la maîtriser? Un peu que je la maîtriserai.
Inferno Carsman. Ça se conduit comme un tank et ça percute fort comme un tank. En fait, c'est un tank qui se fait passer pour une camionnette. C'est bien ça. Je pense qu'on va la... On répare celle-là. On vous trouve sa version améliorée. Et... Eh ben, on s'arrêtera là. Et tourne assez bien quand elle est à l'arrêt. J'ai jamais vu sa version améliorée à celle-là. En revanche, elle avance pas très vite. Chic, il y a justement un truc qui me permet de recharger mon pouce, ça va m'être utile. Pas très maniable. Ouais, il a raison, ça s'est vendu comme un tank. Oh putain, par contre, quand on active la nitro, c'est plus du tout la même histoire. Ok, je situe l'endroit où on a la version améliorée. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Je tiens à préciser que dans la toute première fois où j'ai joué, j'ignorais totalement qu'on pouvait améliorer les voitures en faisant des défis. Ça, je l'ignore complètement. Va au nord-est, jusqu'à Big Sur Ghost Guard HQ. Leur tour ? C'est vous. Ok. Voilà, par ici. Oh purée, j'ai cru que j'allais me faire dégommer. Mais cette voiture ne se fait pas dégommer, c'est elle qui dégomme. Purée, c'est aussi aucun bus en plus. Purée, par contre, pour tourner, c'est pas vraiment l'idéal. Mais en revanche, pour faire des takedowns, je m'en souviens, c'est clairement la meilleure caisse. Que c'est stylé. Que c'est stylé. Au revoir. La Carson's Inferno Burnout Racing Team Van est ta récompense pour cette belle performance. Passe à la casse. Tu parles d'un surnom à rallonge ? Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Justement, il y a une casse juste à côté. Casse une fourche, appelez ça comme vous voulez. On va aller voir à quoi elle ressemble, on lui lit sa description et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Junkyard, you wreck here. Inferno Bird. La redoutable Inferno Van est encore plus difficile à dépasser. L'équipe Burnout a réglé cette camionnette de course blindée à sa manière en lui donnant plus de boost. On va voir de quoi elle est capable et on s'arrêtera là. Ok, puissance maximale et boost est le même, c'est juste une amélioration de l'esthétique. Et je dois reconnaître... qu'elle est encore plus stylée que l'autre. Y a pas à dire. Elle est vraiment stylée. Allez, c'est la fin de ce 14e épisode du Let's Throw de Burnout Paradise. J'espère que ça vous aura plu. Et à ciao, bonsoir.